السلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. يذكر العراقي الآن باب المغازي التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors الحافظ العراقي dans son livre الألفية il a parlé de la biographie de Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم. Il aborde maintenant un sujet de ses conquêtes, alayhi salam, dans combien de fois il a participé lui-même, il est sorti fi sabilillah lui-même, et on va citer ses conquêtes l'une après l'autre. ذكر ابن سعد في الطبقات أن غزوات المصطفى التي خرج فيها بنفسه 27. Alors ابن سعد dans son livre الطبقات, طبقات ابن سعد, c'est connu comme livre qui parle de prophète alayhi salat wa salam, de sa naissance, de ses conquêtes. Il parle de ses compagnons et il a dit que les conquêtes que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait, que lui-même est sorti fi sabilillah, est de nombre 27 conquêtes. عند عبد الغني أيضا ذكر أنه 25. Certains ont dit c'est 25 conquêtes. ولكن اعترضوا. Il y a des gens qui n'ont pas été d'accord avec cela. يعني وبعضهم قال 24. Certains ils ont dit 24. Il y en a d'autres. Mais voilà, Ibn Sa'd a dit c'est 27. أول هذه الغزوات غزوة ودان. Alors la première conquête dans laquelle le prophète alayhi salatu wasalam est sorti par sa propre personne avec ses compagnons ou certains de ses compagnons, c'est la conquête qui s'appelle Waddan. وهي قرية جامعة من أمهات القرى وهي الأبواء. يعني شو هيدي الودان؟ هي الأبواء, هي جبل بين مكة والمدينة قريب من الجحفة. Alors, c'est la conquête de Waddan, qui on dit maintenant la nomme Al-Abwa. C'est une ville importante à l'époque et qu'il se trouve entre une montagne qui se trouve entre la Mecque et la Médine et c'est proche de Al-Juhfa. وهي الأبواء وهي بين ودان ستة أميال وبينها وبين الجحفة من جهة المدينة 23 ميلا. C'est-à-dire, si tu veux cette ودان là, c'est quelque chose de proche de الأبواء, à 6 miles, c'est un peu proche, et entre cette place là et الجحفة c'est plutôt 23 000 miles. يعني quand a eu lieu غزوه ودان, après 12 mois de l'arrivée du Médine, بعد وصوله الى المدينه عليه الصلاه والسلام 12 شهر خرج الى هذه الغزوه, après 12 mois de son arrivée à Médine est sorti sallallahu alayhi wa sallam. Lima l'ayy gharad yata'arradu li'irin li Quraysh, yani qafila li Quraysh, fiha mata'uhum, fiha amwaluhum. Alors c'est une caravane, c'est des chameaux. À l'époque, des fois ils sortaient 100 chameaux, des fois 1000 chameaux, 1500 chameaux. Voilà, et par ça les gens à l'époque ils prenaient l'échange dans leur commerce. Alors le prophète est sorti pour confronter ces gens-là. ويريد أيضا بني ضمرة ابن عبد مناف وبني بكر. Alors il veut confronter ces gens-là et il veut encore passer à confronter بني ضمرة et encore certaines tribus de بني بكر.
فوضعت بنو ضمرة وسيدهم مخشي بن عمر. Alors, et بنو ضمرة, tribu de بني ضمرة, l'ont conclu un accord de paix avec Sayyidina Muhammad, qu'ils ont conclu quelque chose, que tu es en sécurité de notre part, voilà, on fait un arrangement entre nous, voilà, on ne fait pas la guerre contre toi. وكتب بينه وبينهم كتابا ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يكثر عليه جمعا ولا يعين عليه عدوا. Alors, et il a écrit avec Bani Damra de qu'il ne les attaque pas, eux-mêmes ils n'attaquent pas les musulmans, et qu'ils ne donnent pas un coup de main, ou ils ne soutiennent pas un ennemi contre le prophète Mohammed et les musulmans, et ils ne participent pas à une armée qui va attaquer les musulmans pour le rendre le nombre plus grand. ثم رجع إلى المدينة بغير قتال وكانت غيبته 15 ليلة. Alors il s'est absenté du Médine 15 nuits. Et bien sûr, là, dans cette conquête, Quraysh vont entendre que le prophète والسلام, et ses compagnons, ils sont sortis pour confronter leur caravane. Déjà, ça c'est quelque chose de fort. Voilà, maintenant on est sorti à Médine, vous avez voulu tuer le prophète Mohammed et vous avez fait pression sur lui et ses compagnons, et maintenant attendez, qu'est-ce que vous allez voir de notre part? Ah, alors maintenant ils vont être très inquiets et ça va perturber leur commerce avec les pays du Sham. إذن الآن فلتستعد قريش لأنها ستسمع أن النبي خرج يريد إيش أن يعترض عيرا من عير قريش يعني قافلة من قوافلهم. إذن بدأت الحرب مع قريش التي عتت وبغت وأرادوا قتل النبي محمد وقتلوا بعض أصحابه وعذبوا أصحابه وما أرادوا للإنسان للإسلام أن ينتشر في ربوع مكة. إذن فليتهيأوا الآن لمحاربة لحرب المسلمين, يعني أن المسلمين سيحاربون. وبنفس الوقت النبي إيش مر على بني ضمرة يريد غزوهم, فقالوا إذن نحن نتفق معك, لا تغزونا لا نغزوك لا نعين عليك عدوا. وهذا أيضا أمر قوي, هذه القبيلة الآن وضعت نفسها, نحن لا نقاتل الأهل الإسلام ولا نقتل أحدا منهم ولا نعين عليهم عدوا. Alors il y a quelque chose de très fort dans cette première conquête. Comme je dis, ça va perturber les gens de Quraysh et leur commerce, et encore il a déjà pris une tribu à côté, qu'il ne confronte pas les musulmans, qu'il ne donne pas un soutien à un tierce ennemi. Voilà, ça, et c'est deux choses qui sont en faveur de l'islam et des musulmans. ثم بعد ذلك كانت غزوة بواط. بواط بضم ضم الباء وفتح الواو, وهي ناحية رضوة, وهو جبل من جبال التهامة, تهامة من ينبع على يوم ومن المدينة على سبع مراحل. Alors maintenant on va parler d'une deuxième conquête qui s'appelle conquête de Bouat. C'est une il a dit c'est une montagne parmi les montagnes de Tihama, et si on veut parler de la ville connue maintenant Yumbu', alors il est à une distance d'un jour par rapport à Yumbu'. Et parlons du Médine, il est à Sab' Marahil, comme tu dis Safar Marhalatayn, le voyage dans lequel on peut raccourcir la prière, c'est marhalatayn, c'est-à-dire le voyage de deux jours. Alors depuis pour la Médine, il est à sab'at marahil, yani si tu parles de le marche pendant sept jours, sans compter les nuits, pendant sept jours, la distance de Bouat par rapport à Médine. Pour Yambou', elle est plus proche, cette région qui s'appelle Bouat. غزاها في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من هجرته, c'est-à-dire 13 mois après l'immigration, c'est-à-dire presque après la deuxième conquête, 15 jours, alors le prophète عليه الصلاة والسلام est sorti pour une deuxième conquête. Il s'est absenté 15, et lui il est sorti après 12. Alors il est revenu, il a presque fait 15 jours, et par la suite encore, le prophète a
a incité ses compagnons à sortir encore pour lutter fi sabilillah et aller vers la montagne qui s'appelle, ou la région qui s'appelle Bouat. خرج في 80 من اصحابه يعترض عيرا لقريش. Ah, il est sorti avec 80 compagnons encore pour confronter et pour confronter une caravane de Quraysh qui faisait du commerce avec leurs chameaux. فيها أمية بن خلف و100 رجل و2500 بعير. يعني il y a combien dans cette caravane? Alors 100 hommes. Et le prophète est sorti avec combien? 80. Et il y avait dans cette caravane combien? 100 hommes et combien de chameaux? 2500. 2500 qui conduisent les chameaux avec leurs marchandises. Parce que, comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran Karim, il a fi Quraysh, il a fihim rihlat al-shita wa al-sayf. Ces gens-là, des fois, ils faisaient des commerces avec la Médine et des fois, ils faisaient avec le Cham et des fois, ils faisaient avec le Yémen. Alors là, c'était une grande caravane et le prophète est sorti pour les confronter. Il y avait comme chef ou parmi les chefs de Quraysh, Umayya ibn Khalaf. وكان لواء ابيض حمله سعد بن ابي وقاص الذي هو من ارمى الرومات. Alors la bannière de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam, c'était une bannière blanche et c'était Sa'd ibn Abi Waqqas qui y avait la bannière. Et Sa'd ibn Abi Waqqas parmi les grands tireurs dans les compagnons, parmi les grands tireurs des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ta'arif al-ruma al-rimaya, ala al-Nabi alayhi salatu wassalam, qal, ala inna al-quwata al-rami, ala inna al-quwata al-rami. Et sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi sallam, al-Nabiyu zu ilmin wa fahmin wa hikmatin. Le prophète a dit, la force, c'est savoir tirer. Là, la force de l'armée, un armée est fort, c'est lorsqu'il y a des grands tireurs. Et la force, c'est par la bonne tire, c'est la bonne tire. Et pour votre connaissance, les Tatars, les Mongols, c'était où leur force? C'était par la tire des flèches par l'arc, là. C'était des grands tireurs. Yani, eux, ils peuvent tirer 30 fois ou 15, 10, et l'autre, il n'a pas encore tiré un, et il atteint le cible. Ils apprennent à tirer en courant sur le cheval. Et c'est pour cela ils ont fait ce que vous avez entendu. Nous, قوه التتار والمغول كانت في قوه الرمي عندهم واستراتيجيات اخرى لكن ابرزها انهم كانوا رومات سهم محترفين جدا جدا جدا. والنبي قال الا ان القوه الرمي, هذا دليل فهم وعلم وخبره بالحروب. وكان سعد بن أبي وقاص من أرمى الرماة. alors سعد بن أبي وقاص, ce grand compagnon, هذا صاحب الدعاء المستجاب, celui dont l'invocation est exaucée, alors c'était un grand tireur رضي الله عنه, et c'est lui qui a dirigé la bataille de القادسية ضد الفرس عباد النار. alors c'est lui qui a dirigé la grande bataille de القادسية, il a écrasé l'armée des Perses qui adoraient le feu avec Rustum et les musulmans qu'ils étaient 32 000 et les Perses adorateurs, les forces les qui adorent le feu, ils étaient 120 000 même plus. واستخلف على المدينة سعد بن معاذ أو غيره فلما بلغ بواط رجع ولم يلقى أحد. Il a laissé comme responsable pour la Médine Sa'd ibn Mu'adh, c'est un grand compagnon parmi les Sahaba de Médine. ورد في حديث لما مات سعد اهتز العرش, c'est vraiment فرحا به, اهتز العرش أي فرحا به. Lorsqu'il est mort Sa'd ibn Mu'adh, on dit le trône a tremblé, c'est-à-dire par joie de l'âme de Sa'd qui va monter vers le ciel. C'est un grand compagnon, c'est lui qui a, le prophète l'a désigné comme responsable sur Al-Madina. Mais le prophète est arrivé vers la montagne de Bouat, mais il n'a pas trouvé ses ennemis, soit ils ont déjà passé et que les musulmans ils les ont pas trouvés, ils n'ont pas trouvé ces gens. لكن أيضا هذا فيه إيش إلقاء الرعب في قلب الأعداء. Encore dans cela,
il y a le fait d'impressionner l'ennemi et de mettre la peur dans les cœurs de Quraysh et ces gens-là qui ont fait du mal aux compagnons du prophète alayhi salatu wasalam et qui ont fait tout ce qu'ils peuvent pour stopper l'appel à l'islam que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait à la Mecque. Al-ghazwatu thalithatu ghazwatu dhat al-ushayra. Alors la troisième conquête, c'était, on dit, la conquête de dhat al-ushayra. ويقال encore بالفتح العشيرة والعشيرة ça a été dit comme ça ويقال بزيادتها في آخره عشيرة وهو مكان نصبت إلى المكان الذي وصلوا إليه وهو موضع لبني مدلج قبيلة من قبائل العرب بناحية الينبع وبين ينبع والمدينة تسعة برد البريد نصف نهار تسعة برد بين ينبع هيدي الناحية هذه ذات العشيرة هي المكان الذي وصل إليه النبي وأصحابه. On l'a dit, la conquête de ذات العشيرة, c'est une place où le prophète est arrivé avec ses compagnons. C'est une région pour la tribu de Bani Mudlij. C'est des gens arabes connus par le fait de chercher les traces. كيف منقول نحنا قفاء يعني عندهم علم اقتفاء الأثر. C'est des gens qui savent suivre les traces. وأصلا في كان علم عند العرب. Il y avait une connaissance chez les Arabes. Par exemple, supposons il y a quatre enfants, quatre pères. Il y a quatre pères là et quatre enfants. On dit à ces enfants de marcher et on dit aux pères de marcher. Alors ces gens-là, ils disent, celui-là est le fils de celui-là, celui-là est le fils de celui-là. Ils savent, c'est le fils de celui-là et à l'autre par le fait de traces des pieds seulement. Alors c'était une connaissance chez certains parmi les Arabes, et spécifiquement de Bani Mudlij là. Ils avaient ça et ils savaient comment suivre les traces. Alors le prophète est arrivé à cette place-là. C'est une place entre Yumbu, ou une région de Yumbu. Dans la région de Yumbu, il est loin de la Médine, la distance de 9 barides. Barid, c'est un voyage de la moitié d'une journée. Alors 9, c'est comme tu dis, 4 jours et demi. خرج إليها في جماد الأولى وقيل الآخرة على رأس 16 شهر من مهاجرته. Alors il est sorti pour cette conquête après 16 mois de l'immigration, c'est-à-dire entre celle-là et l'autre, peut-être à peu près 2 mois et demi ou quelque chose comme ça, ou à peu près 3 mois après la conquête de Bouat. C'était dans Jumada al-Ula, d'autres ont dit dans Jumada al-Akhira. Wa hamala liwa'ahu wa kana abyad Hamza ibn Abd al-Muttalib. La bannière était blanche et était avec Hamza, son oncle Hamza ibn Abd al-Muttalib. خرج من المدينة في 50 و100 وقيل في 200 من المهاجرين و30 بعيرا يعتقبونها. Alors vous allez entendre, vous avez entendu, il est sorti avec 200 compagnons parmi les immigrés. On va expliquer pourquoi. Ça a été dit 150, ça a été dit 200 parmi les immigrés, les compagnons. أنه خرج على رأى معه 150 وقيل 200 من المهاجرين. لأن البيعة لما بايع أهل المدينة النبي على أن يحموه ويحفظوه في المدينة مما يحفظون منه نساءهم أموالهم أبناءهم. Parce que là, lorsque le prophète a ordonné à ses compagnons d'immigrer, les compagnons du Médine qui ont embrassé l'islam, ils ont donné le pacte d'allégeance à Sayyidina Muhammad de le protéger comme ils protègent leurs femmes, leurs biens. Et ça, c'est-à-dire on parle du Médine. Mais maintenant le prophète, il sort du Médine pour confronter les autres tribus, et leur pacte n'était pas sur ça. C'est pour cela, pour l'instant, le prophète alayhi salatu wasalam, il prenait avec lui les immigrés parmi ses compagnons. ومعهم 30 بعيرا يعتقبونها. Alors 150 ou 300 ou 200 avec combien de chameaux? 30 chameaux, c'est-à-dire les autres à pied.
Ils sortent à pied dans la prairie, dans le désert, tout ça, 150 à 30, c'est-à-dire chaque 5 pour un chameau. Et voilà, tu montes toi un peu, puis après l'autre, les 4, ils marchent, puis après ils mettent celui-là. Ils se reposent avec ça. واحد بعد آخر يعتقبون يعني أنت مرة أنا مرة أنا مرة هكذا ويسيرون il marche le chameau il porte facilement un sur sur lui et il voilà il se repose avec ça ولم يكره أحدا على الخروج il n'a pas fait pression sur ses compagnons de sortir mais plutôt c'est-à-dire voilà celui qui veut sortir avec moi qu'il sort moi je veux aller vers telle place. فسلك على صلى الله عليه وسلم على نقب بني ذبيان فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر فصلى عندها فثم مسجده وصنع له طعام فأكل هو وصحبه فأكل هو وصحبه. Alors, le prophète عليه الصلاة والسلام il n'a pas fait pression sur ses compagnons de sortir, mais il les a motivés. Voilà, ils étaient 150 ou 200. Et il a passé vers la place de Bani Zibyan, c'est une tribu parmi les tribus arabes, et il s'est reposé, il a pris dans son chemin une pause sous l'ombre d'un arbre qui se trouve proche de la région de Bani Azhar, de Batha, fils de Azhar, sous l'ombre d'un arbre là-bas. Et il a prié là-bas, et là-bas on a fait une mosquée. Hein? Ils ont pris cet endroit où il a prié, et ils ont fait une mosquée. Et on lui a fait là-bas, ils ont préparé un repas, alors il a mangé lui et ses compagnons. ثم يقول ارتحل فهبط بليل فنزل بمجتمعه واستقل استقي له من بئر الضبوعة ثم سلك الفرش حتى لقي الطريق بصخيرات اليمام ثم اعتدل حتى نزل ذات العشيرة يعترض عيرا لعير قريش. Alors, le prophète, alayhi salatu wasalam, après, comme on a dit, il a passé sous l'ombre d'un arbre dans le Batha de fils de Azhar. Après, il a quitté dans la nuit, il a quitté, il a passé à côté d'un puits qui s'appelle Daboua. Et puis après encore, il a pris un autre chemin proche des rochers de l'Yaman. Puis après, il est arrivé vers la région de Al-Ushayra. Pourquoi? Pour encore confronter une caravane pour Quraysh. فوجد أنه أن هذه القبيلة القافلة مرت منذ أيام. Et le prophète a trouvé que la caravane a passé, ça fait quelques jours. Ça fait quelques jours qu'ils ont déjà passé. Parce que tu sais, à l'époque, tu entends des nouvelles. Tu estimes. Tu dis à tel jour, ils vont être à telle place. Et tu sors. Mais si la nouvelle, on t'a annoncé la nouvelle un peu en retard, et tu vas calculer les jours. Si on t'a donné la nouvelle un peu plus tard, alors tu peux te tromper par l'heure. Mais vous allez entendre après lorsqu'on parle de la bataille de Badr al-Kubra. Walaw tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Allah subhanahu a dit au sujet de la conquête de Badr. Parce que le prophète et les compagnons, ils sont sortis pour confronter quoi? Caravane de Quraysh. La nouvelle est arrivée à la Mecque et ils sont sortis avec une armée pour protéger. Abu Sufyan, qui dirigeait la caravane, a déjà passé. Il a pris un autre chemin. Il a changé la route lorsqu'il a entendu. Parce qu'encore, il cherchait, il a envoyé des gens qui lui amènent des nouvelles. Et Quraysh, ils sont venus sans savoir que Abu Sufyan a déjà préservé la caravane. Et les musulmans, alors. Allah Ta'ala قال ولو توعدتم لاختلفتم. Si vous avez fait un rendez-vous entre vous, vous allez vous tromper. Mais Allah Ta'ala a voulu cette confrontation qu'il aura lieu. Et Allah Ta'ala a fait que le caravan passe, que les autres arrivent, que les musulmans viennent à telle place et que la grande bataille de Badr aura lieu. Alors j'ai dit, pourquoi des fois
On est venu et le prophète n'a pas trouvé la caravane parce que des fois la nouvelle arrive un peu en retard, on parle des marches à pied, on ne parle pas de la technologie qu'on a aujourd'hui. نوصل إلى هذا المكان بعد مسيرة أسبوع خمسة أيام عشرة أيام خمسة عشر يوم فهذا ليس أمرا هينا أنت وصلك الخبر قد يكون جاءك أنهم خرجوا في اليوم الفلاني وهم حقيقة خرجوا قبل يومين فبالتالي أنت لما تعد المسافة تحسبها بالأيام فيكون إيش خرجوا وغابوا عن تلك قطعوا تلك المسافة مروا منها من يومين سبق لأن المعلومة الذي جاء بالخبر جاء به ناقصا أو جاء به متأخرا الحاصل أن في هذه ذات العشيرة قبيل القافلة مرت كانت مرت منذ أيام alors c'est une caravane qui est passée avant l'arrivée du prophète à Sayyidina Muhammad à cet endroit quelques jours avant. Alors, il a conclu encore un accord avec le tribu de Mudlish de ne pas qu'il ne confronte pas les musulmans, qu'il ne tue pas les musulmans, qu'il ne soutienne pas un ennemi contre les musulmans. Alors voilà, de nouveau, il impressionne comme Zat la conquête de Zat et Ghazwan, c'est le fait d'impressionner l'ennemi, faire peur à l'ennemi, et en même temps, il a passé par telle tribu, il a conclu encore un accord de paix avec eux, de ne pas confronter les musulmans, de ne pas les tuer, de ne pas aider un ennemi contre eux. Ethan, مر ببني ضمرة أولا ودعهم بحيث أنهم لا يعينون عليه عدوا ولا يحاربونه ولا يكفرون جمعا وأيضا هنا بني مدلج أيضا ودعهم على لا يقاتل المسلمين ولا يحاربوهم ولا يعينون عدوا ولا يكفرون جمعا ضدهم فلم يلقى حربا alors il n'a pas eu une confrontation أقام فيها أياما إلى fait quelques jours à cette place toujours ça impressionne l'ennemi انت خرجت وبعدت عن المدينة وانت هنا وتنتظر و تريد ان تلقى عدوك تريد ان تحاربه انت لا تخشى منه ان تخرجت اليه لم تنتظر قدومه اليك tu es sorti pour confronter ton ennemi tu n'attends pas qu'il vienne vers toi c'est toi qui viens pour le confronter يعني قريش كانت صح يعني قبيلة تعتبر نفسها أنه هي أشهر القبائل العربية ومن أقواها ils se prennent comme quoi parmi le tribu le plus noble là où il y a des grands courageux là où il y a même le prophète est sorti pour les confronter et maintenant on parle de la troisième fois وهنا كنا فيها بهذه الغزوة ذات العشيرة كان عليا أبا تراب سلاو إلى نمي إلى أبل علي أبا تراب كان نائما سيدنا علي وعمار وقد علق في لحيته سيدنا علي ترابا alors سيدنا علي دغمي عمار دغمي et سيدنا محمد les a réveillés il y avait de la terre de la poussière qui était collée qui s'accrochait à la barbe de سيدنا علي le prophète l'a réveillé par son pied il lui a dit ما لك أبا تراب مالك أبا تراب qu'est-ce que tu as أبا تراب c'est-à-dire celui qui avait la terre sur sa barbe هذا ليس سبا النبي سماه وهو لا يسب عليا نحن إذا قلنا لعلي أبا تراب هذا مدح النبي سماه le prophète l'a nommé par ça il ne l'a pas insulté mais le prophète il lui a dit puisqu'il avait la poussière ou la terre qui s'est accrochée à sa barbe ثم قال سيدنا محمد ألا أحدثكما بأشقى الناس voulez-vous que je vous indique les plus malheureux les plus mauvais les plus malheureux parmi les gens أحيمر ثمود parce que l'autre il avait les cheveux rouges là celui qui a tué la chamelle أحيمر ثمود l'homme qui avait les cheveux rouges de ثمود qui a tué la chamelle Et il a dit, والذي يضربك على هذه فيخضب هذه. Et celui qui te
tape sur la tête et il fait rougir la barbe, c'est-à-dire c'est lui qui te tue au Sayyidina Ali. Et là on parle de qui? On parle de هذا الشرير الذي قتل سيدنا علي بن أبي طالب الذي يقال له ابن ملجم. ابن ملجم هذا الخارجي جاء ونزل على بيت من الخوارج في الكوفة. Cet homme-là qui s'appelait Ibn Muljam, parmi les Khawarij, que Sayyidina Ali les a combattus parce qu'ils ont tué un compagnon, son épouse qui était enceinte. Alors Sayyidina Ali les a combattus et ils étaient écrasés complètement. Et il y avait 9 morts de l'armée de Sayyidina Ali et l'armée de Khawarij qui était 5000, il restait 9. Mais les 9, ils ont encore cherché à ramener des gens avec eux, et celui-là est venu dans le but de Sayyidina Ali. Alors il est descendu vers une maison de Khawarij et il a demandé la main d'une fille là-bas. Alors le père, il a dit, la dot c'est 1000 dirhams ou 1000 dinars et la tête de Ali, il a dit, le dirham. Il a dit, bon, pour Ali, c'est moi, je suis venu pour le tuer déjà, et voilà les 1000 dirhams. Ça, tu vois, des ashrar. هؤلاء الخوارج والنبي سمى أشقى الأشقى الرجلين الخفات عدي لدو le plus mauvais, le plus malheureux, الأشرار. Il a dit, celui qui a tué la chamelle, et c'était un grand kafir qui a tué la chamelle, qui était un grand kafir, et il a dit, celui qui te tape sur celle-là, il fait rougir de ça. Et on parle ici l'apparence qu'on parle d'un homme kafir. Et celui-là, il disait la ilaha illallah, il disait Muhammad Rasulullah, il apprenait le Coran, mais il rendait le sang des musulmans licite. كانوا يستحلون دماء المسلمين. هذا الرجل هذا ابن ملجم كان يكفر عليا الذي يحبه الله ورسوله. ابن ملجم celui-là, il déclare Ali ibn Abi Talib kafir. Ou le sabab, si vous voulez, al fahm al sayy. Al fahm al sayy. La cause, c'est le manque d'intelligence, la mauvaise compréhension, la mauvaise interprétation, le fait de suivre des égarés. Notiba ad-dallin, fahm sayyi, ta'wil sayyi, hada aqibatu al-khawarij. C'est ça la mauvaise fin pour al-khawarij. Ils pensent qu'ils font du bien et ils font un grand mal. À qui? À eux-mêmes. Sayyidina Ali Shahid. مثل سيدنا عمر من قتله فارسي من عباد النار المجوس وبإيران كأنه عاملين له هيك مقام قتل عمر بيعتبره عمر ضال كبير والعياذ بالله الذي قتل عليا هذا الشرير ابن ملجم والذي قتل عمر هذا الشرير أبو لؤلؤ المجوسي عابد النار أما هذوليك مثل شو بيقولوا بيعتبروه هذا أنه الذي أسلج قلوب آل البيت هيك بيقولوا سيدنا عمر صهر آل البيت صهر علي صهر فاطمة سيدنا عمر صهر النبي زوج بنته للنبي وتزوج بنت النبي سيدنا عمر a marié sa fille à سيدنا محمد et il s'est marié avec la fille du prophète محمد صلى الله عليه وسلم فهذول الناس لا أدري كيف يفكرون على كل alors le Nabi قال أشقى الآخرين الذي يضربك على هذه فيغضب هذه le plus malheureux des derniers celui qui te tape sur celle-là et il fait rougir celle-là وضع يده على قرنه حتى تبتل منه هذه اللحية وأخذ بلحيته il a mis la main sur sa, la tête et il a dit jusqu'il rougit cette barbe et c'est ce qu'il a fait ابن ملجم لعنه الله طيب الغزوة الرابعة ونقف عندها alors la quatrième conquête et on s'arrête avec ça غزوة بدر الصغرى la conquête de Badr la الصغرى la petite si vous voulez هي عرفت أيضا ببدر بن الحارث on l'a nommé encore بدر ابن de ابن الحارث وقيل سميت به لرؤية البدر فيها يعني, ça a été dit qu'on l'a nommé Badr parce qu'on a vu la pleine lune dans cette conquête. قال ابن اسحاق لم يقم بالمدينة بعد حين قدم من العشيرة إلا ليال قلائل. Tu vois,
dans la première conquête. Il a fait 15 jours et Sayyidina Muhammad il est sorti pour la deuxième fois. Et là, Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, après Dhat al-Ushayra, il a fait quelques nuits et il est sorti de nouveau, alayhi salatu wassalam. Hatta أغار كرز بن جابر الفهري على صرح في المدينة. Alors il y a un homme qui s'appelle كرز fils de جابر الفهري. Il a pris certains animaux, certains chameaux, certains chamelles des musulmans du Médine. فخرج في طلبه. Le prophète est sorti pour le confronter, pour le chercher. حتى بلغ واديا لقال له سفوان. Il est arrivé vers une vallée qui s'appelait سفوان. فلم يدرك كرزان. Le prophète n'a pas pu l'attraper. وحمل لواءه فيها علي رضي الله عنه. Et c'est Ali qui a pris la bannière dans cette bataille, dans cette conquête. Il n'y a pas. Et Kurz a déjà pris la fuite. واستعمل على المدينة زيد بن حارثة. Et il a désigné Zayd, fils de Haritha, comme responsable. قال ابن سعد كانت على رأسي 13 شهرا من الهجرة. يعني احنا قلنا الغزوة اللي قبلها كانت على 16. لكن هنا ابن سعد يقول هذه الغزوة كانت بعد 13. Alors ابن سعد a dit que cette conquête a eu lieu 13 mois après l'arrivée à Médine. Mais nous, on vient de dire qu'il a Dhat al-Ushayra, il était après 16 mois, et quelques jours après, il est sorti. Bon, pour dire qu'il y a cette divergence que Ibn Sa'd a dit autrement. Et laissons, inshallah ta'ala, pour mardi prochain, on va parler en détail concernant la grande bataille qui est la bataille de Badr, Badrun al-Kubra. هذه المعركة العظيمة التي شارك فيها 313 صحابيا على عدد الرسل 313 رسول. Il a participé dans cette bataille, la bataille de Badr, 313 compagnons comme le nombre des prophètes messagers, 313. وكان فيهم فقط حصانان, deux chevals, واحد مع المقداد بن عمر. Il avait deux chevaux, l'un avec المقداد بن عمر. Et Quraysh مع خالد الوليد avec 200 cavaliers, parce que dans la bataille de Badr Khalid al-Walid n'est pas encore musulman. Il avait 200 cavaliers. Et pour vous dire, lorsqu'on parle de 200 cavaliers, alors ils peuvent confronter 2000 hommes. Tu as 200 cavaliers, ils peuvent rentrer et faire la guerre et gagner contre 2000 personnes. Alors là, on parle de 313. On parle d'une armée de 1000 personnes à peu près, entre 950 et 1000, et 200 cavaliers. Vous allez entendre, inshallah, le détail concernant cette bataille. Si on reste vivant, inshallah ta'ala, le mardi prochain, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadir Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wa la nuhallil, la ilaha illallah, allahumma salli ala sayyidina Muhammad, وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.